Alors que Théa Hoop-O tient enfin sa grande messe du bodyboard en 2016 avec le Spark Green Tahiti Bodyboard Challenge, le quatrième quart de finale offre un moment magique opposant Jeff Hubbard, légende mondiale, à Angelo Faraire, légende locale, qui s'inclinera avec panache. There's every heat. I had three Tahitians. I had Fred, and I had Angelo, and then I had Cedric. And every heat, I had to just focus so hard. It was like those were the heats I was the most focused on, because I knew how good they were at their home break. I love them. They're my brothers. You know, this is like you come here and you surf with them all the time, and they're your best friends. So it's great. Première demi-finale. Et cette première demi-finale de l'événement offrira encore une autre joute épique entre Tahiti et le monde, en opposant cette fois Mike Stewart, le GOAT du bodyboard, contre le local de Théa Hoop-O, Cédric Estal, qui saura saisir sa chance, portée par son île au point de remporter la victoire et d'accéder en beauté à la finale de cette prestigieuse deuxième étape du championnat du monde. Même en s'engageant à fond avec un El Rolo bien frappé sur la lèvre, le champion américain longtemps incontesté, couronné 9 fois au championnat du monde et 11 fois en body surf sur Pipeline Hawaii, ne peut que s'incliner dans cette série devant la vaillance et la dextérité du Tahitien, exalté et littéralement porté par la grâce.